Je vais m'installer, moi. Tiens, on va aller là. Oh, les belles petites bulles. Voyons voir maintenant. Bon, aurais-je bien pu mettre ça? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça non plus. Oh, c'est pas ça. Aurais-je bien pu mettre ça, moi, hein? Non. Oh, les gros mots. C'est pas à moi, ça. Ça devait être à Fripp, ça. Voilà. Non, mais dis donc, c'est pas un peu fini? Tu deviens fou ou quoi? Il pleut des bulles en bas. Tu as failli m'assommer avec tes bulles. Qui ça, moi? Oh, ne mens pas. Ça, c'est une bulle de notre voyage en sous-marin. Aussi, je m'en souviens très bien. Et celle-là, c'est quand nous avons failli nous faire dévorer par les crocodiles, parce que tu leur apprenais à faire la belle. Mais qu'est-ce qui te prend de jeter tout ça dans la rue, Pouille? Danger public. Pollueur. Pollueur? Qui ça qui est pollueur? Toi, tu pollues. Moi, je pollue? Si, tu pollues. Non, je pollue pas. Ah, mais si que tu pollues. Non, je peux pas polluer. Je dis que tu pollues. Non, je peux pas polluer. Tu pollues très bien. Je ne pollue pas. Ah, mais si que tu pollues. La preuve en est que tu pollues. Je peux pas polluer. De toute façon, je sais même pas ce que c'est, moi, que polluer. Alors, tu vois. Oh. Ah oui, c'est tout à fait toi, ça. Tu fais le mal sans même savoir comment. Polluer, Pouille, ça veut dire salir l'environnement. Oh, mais alors je pollue pas, Fripp. Je suis en train de faire du ménage. Peut-être, mais tu pollues quand même l'environnement. L'environnement? L'environnement, Pouille, c'est tout ce qu'il y a autour de nous. C'est ce dans quoi nous vivons. Alors, c'est la nature, c'est la campagne, c'est la mer, les ruisseaux, les champs, c'est tout ça, l'environnement. Oh non, mais moi, je pollue pas la nature, la campagne, la ville, les champs, les rivières, les lacs, les montagnes. Je fais simplement, Fripp, que faire un petit peu de ménage dans mes bulles. Et voilà qu'on m'accuse de polluer maintenant. Mais c'est très bien de faire le ménage, Pouille. Seulement, il ne faut pas jeter toutes tes cochonneries dans la rue. Pourquoi pas? Parce que ça n'est pas propre. Ça pollue. Mais enfin, Fripp, qu'est-ce que je vais faire, moi, de toutes ces vieilles bulles, maintenant, hein? Il y a deux solutions. Lesquelles? D'abord, on peut les jeter proprement dans une poubelle. Ça, c'est la solution numéro un. Bon, très bien. Mais Pouille... Pouille! Mais où vas-tu? Je m'en vais jeter ces vieilles bulles dans la poubelle pour ne pas polluer l'environnement, comme tu viens tout juste de me l'expliquer. Voilà. Non, mais ça, c'était la première solution. Il y en a une autre. Il y en a une autre? Oui. Tu ne devines pas ce que c'est? Ben, c'est que... Tu ne vois vraiment pas? Ça? Mais non! Non! C'est pas ça! Oh! Mais non, ça c'est pollué. L'autre solution, c'est le recyclage. Pardon? Le recyclage. Qu'est-ce que c'est que ça, le recyclage? Recycler, Pouille, ça veut dire utiliser plusieurs fois la même chose. Donc, au lieu de jeter ces vieilles bulles, nous allons les réutiliser, donc les recycler. Recycler des bulles? Ben, j'aurais tout entendu. Qu'est-ce qu'on va faire, Fripp, de toutes ces bulles? On va en faire des bulles toutes neuves, prêtes à recevoir de nouvelles aventures.
Oh, pourri. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Quoi? Notre aventure en parachute. Mon parachute ne s'ouvre pas. Pouy, fais quelque chose. Oh oui, je me souviens. Quand on a dû sauter hein, en parachute en pleine campagne et que ton parachute refusait de s'ouvrir. Oh, c'est une vraie belle histoire, ça. Pas vrai? Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te manque, les aventures? Parfois. Tu sais, en regardant tous ces vieux souvenirs, le goût de l'aventure me reprend. Tu veux l'essayer? Quoi? Cette vieille bulle! Oui, je te l'installe et pendant une minute, ce sera encore comme si tu étais en pleine aventure. Avec ton parachute qui refuse de s'ouvrir et moi qui essaie de t'attraper. Oh oui, puis mais juste pour quelques minutes, d'accord? D'accord, d'accord, madame. Suis-moi, Fripp. Je vais l'installer. D'accord. Tu es prête? Oui. Mon parachute ne s'ouvre pas, Pouille. Fais quelque chose. Je m'en souviendrai toute ma vie. On a fini par atterrir en catastrophe sur une grosse meule de foin. Mon parachute ne s'ouvre pas, Pouille. Fais quelque chose. Oh, moi, je m'étais pas fait mal, non. Non, pas du tout. Toi, si, un tout petit peu. Parce que je t'étais atterri dessus. Tu te rappelles, Fripp? Mon parachute ne s'ouvre pas, Pouille. Fais quelque chose. Mais ça, on le saura que ton parachute ne s'ouvrait pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Fripp? Ça s'est passé il y a 5 ans. Mon parachute ne s'ouvre pas, Pouille. Fais quelque chose. Tu es coincé dans ta bulle. Mais fallait le dire tout de suite, ma petite Fripp. Mon parachute ne s'ouvre pas, Pouille. Fais quelque chose. Je vais décrocher ta bulle, c'est tout. Mon parachute ne s'ouvre pas, Pouille. Fais quelque chose. Je comprends pas, Fripp. Elle refuse de se décrocher, la bulle. Mon parachute ne s'ouvre pas, Pouille. Fais quelque chose. Tu commences à m'agacer avec ton histoire de parachute. Mais mon parachute ne s'ouvre pas, Pouille. Fais quelque chose. Tu parles encore une fois de ton histoire de parachute et je fais un malheur. Qu'est-ce que je pourrais bien faire, moi? Je vais regarder dans le grand livre de la bande dessinée, Fripp, pour voir si je ne trouverai pas quelque chose. Parce que c'est la seule solution. Oui, non, c'est pas ça. Où il est, le livre? Je crois avoir trouvé de quoi il s'agit, Fripp. Mon parachute ne s'ouvre pas, puis fait quelque chose. Fripp. Je crois avoir trouvé. Tu sais pourquoi? La bulle, elle veut pas te laisser aller. Eh ben, c'est parce que tu es attaché à ton passé. Oui. Tu t'ennuies de nos anciennes aventures et tu vis pas le moment présent. C'est pour ça que la bulle, elle veut pas te laisser aller. C'est à cause de ta nostalgie. Mon parachute ne s'ouvre pas, puis fait quelque chose. Tu vois, ici, ils disent qu'il faut se débarrasser de nos vieux souvenirs encombrants. Que c'est la seule façon de se délivrer d'une bulle. Ça ne te dérange pas du tout de te débarrasser de ta vieille bulle d'aventure en parachute? Mon parachute ne s'ouvre pas, puis fais quelque chose. Bon, très bien. Je vais faire quelque chose, ma petite Fripp. Mon parachute ne s'ouvre pas, puis fais quelque chose. Oui, Fripp, s'il te plaît, ne dis rien. Bon, alors voilà. Qu'est-ce que ça dit? S'ouvre pas, Pouille, fais quelque chose! Ça fonctionne! Et là, qu'est-ce que ça dit? Oui, fais quelque chose! Oh,
J'y arrive, Flip, j'y arrive. Patiente, j'y arrive. Oui, voilà. Ah, voilà, Flip, tu es délivré. Tu es libre maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Je comprends pas, Flip. Oh, la bulle, mais bien sûr. Oh, merci, Pouille, enfin libre. Je croyais être prisonnière de cette bulle pour le reste de mes jours. Allez, au recyclage, toutes ces vieilles bulles à souvenirs. Au recyclage. Dorénavant, je ne m'intéresserai qu'au présent et à l'avenir. Alors, elles sont toutes dedans? Elles y sont toutes. On peut y aller, alors? On peut y aller. Alors, allons-y, bulle à souvenir. Tu crois que c'est terminé, Flip? Je crois que c'est terminé. Bon, alors je vais arrêter. Est-ce qu'on regarde qu'est-ce que ça donne? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire de ça, Flip? Je sais pas. Je sais. Mais oui. On pourrait dessiner et écrire une toute nouvelle histoire qui n'a jamais été vécue par personne et que personne ne sait même pas qu'elle pourrait exister. Oh, mais oui, c'est une excellente idée, ça, Pouille. Oh, oui. D'ailleurs, ça pourrait s'appeler... Pouille, prisonnier de la bulle sauvage. Ah, non. Mais... N'en est pas question. Mais si... Ce serait plutôt... Flip, prisonnière de sa bulle sauvage. Mais non. J'ai bien mangé deux orteils. Ça sonne pas bien du tout, ça. Oh, Pouille, regarde. Oui, ça sonne bien. Mais si on mettrait Pouille en grosses lettres ici, non, prisonnier je veux pas. De... Non, mais je veux pas. Si, non, c'est toi qui étais prisonnière de ta bulle. C'est toi qui es attaché à tes vieux souvenirs. C'est pas moi. Allez, juste une petite bulle de rien du tout. On va prendre une petite bulle, mais on va changer le titre. Ça va être autre chose. Ce sera tout pour toi. D'accord. Alors tu vas sortir les dessins. Je vais te passer le livre. Fais attention, hein, il est fragile. Fais attention. Alors je vais sortir toutes les belles choses. Et on va se mettre à écrire tous nos trucs dessus. Voilà. Oh, ça sera une belle aventure. Je me suis trompée, c'est pas cette boîte-là du tout. Sors dans une autre. Mais oui, je vais en sortir une autre. Tu parles que je vais en sortir une autre. J'ai des crayons ici. Un pour moi. Non, c'est moi qui vais écrire. Bon, je dis. Vas-y, je t'écoute. Pouille. Thank you.